le sait, Françoise Hardy n'a pas sa langue dans sa poche. Déjà sans phare sur la radiothérapie qu'elle suit pour son cancer du larynx, la chanteuse de 79 ans a donné son avis sur la réforme des retraites, et on peut dire que l'interprète de messages personnels et le temps de l'amour n'a pas peur d'être à contre-courant vis-à-vis de ses camarades artistes. Dans une interview pour le Journal du Dimanche publié le 9 avril dernier, elle en a dit plus sur l'état de santé de son ex, Jacques Dutronc, avec qui elle a eu un fils, Thomas Dutronc. Puis l'entretien évoque la réforme des retraites qui fait actuellement débat dans tout le pays. Le ton n'est pas vraiment dans la veine de la lettre ouverte de 300 personnalités françaises publiée dans Libération le 22 mars, demandant le retrait de la loi au président Emmanuel Macron. Françoise Hardy cache sur la réforme des retraites pour le JDD. Françoise Hardy a confirmé qu'elle n'aurait sûrement pas signé cette tribune. Elle dit s'être intéressée aux réalités économiques et avoir compris qu'il y a plusieurs raisons impératives d'effectuer une réforme des retraites. L'artiste a ensuite évoqué nos voisins. Tous les pays européens ont mis l'âge de la retraite à 65, 66 ou 67 ans, sauf le nôtre dont la dépense publique est la plus élevée d'Europe. Si Françoise Hardy ne se réclame ni de droite ni de gauche, elle précise, surtout en ce moment, et encore moins de gauche. Elle évoque même les grèves des derniers mois en ces termes, pour vous dire la vérité, j'ai honte de ce qui se passe dans une France qui se laisse manipuler et désinformer par des extrémistes, de gauche ou de droite, la LFI, la NUP, Marine Le Pen. Pour la chanteuse, les manifestations aggravent la situation économique avec des problèmes de transport et une vision peu reluisante du pays à l'étranger. Elle renchérit, sans parler de toutes les violences et des nombreuses dégradations matérielles inadmissibles dont les réparations coûtent cher. L'artiste admet qu'elle a voté pour Emmanuel Macron. Aspirant à dépasser les clivages binaires gauche-droite, riche-pauvre,